Bon, je suis enfin rentré de vacances, je me disais qu'en rentrant ça allait être trop cool, j'allais enfin retrouver mon ordinateur. Tu m'as tellement manqué. Je me disais que j'allais lire mes mails et y répondre. Que j'allais me cultiver grâce à toute la culture accessible gratuitement sur internet. C'est lui qui a inventé le trampoline. Que j'allais pouvoir rejouer à mes jeux préférés. Que j'allais pouvoir mater les épisodes de séries que j'ai manqué. C'est lui qui a inventé le trampoline. Tout ça pour directement tomber sur ça. Salut bande d'ignobles coulis de merde, alors dites-moi qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances ? En réalité, je ne vous entends pas vraiment puisqu'il s'agit bien évidemment d'une vidéo. Mais à part ça, absolument rien à voir, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une quenouille ? Une quenouille, c'est une sorte de roseau, il me semble. Enfin, le mec de la première vidéo va mieux vous l'expliquer que moi. Voilà ! Voilà ! Et voilà ! As-tu vu ? As-tu vu les quenouilles ? Waouh ! As-tu vu les belles quenouilles ? Hein ? Les belles quenouilles dans le marécage ! Spectaculaire ! Renversant ! As-tu vu ? Et voilà ! Et voilà ! Hein ? Quelle belle quenouille! Dans ces quenouilles, il y a des grenouilles, des crapauds, il y a le sexe, il y a les mini-grenouilles, les mini-crapauds. Hey! As-tu vu? Voilà! Voilà! As-tu vu les quenouilles? As-tu vu les quenouilles? Wow! Hey! As-tu vu cette quenouille? Cette quenouille vient d'un monde extérieur. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Mais, qu'est-ce que je sais, par exemple? C'est que ces quenouilles importées d'Italie qui font face à l'Afrique du Sud sont là! Ils sont là! C'est les quenouilles! Hey! Voilà! Voilà les quenouilles! As-tu vu? As-tu... Hey! 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 As-tu vu les quenouilles? Oui, j'ai vu les quenouilles, bordel de merde! Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi content de voir des quenouilles de toute ma vie. Être aussi enthousiaste sur les petites choses de la vie est une véritable leçon que nous devrions tous appliquer. Oh putain, c'est des plantes! Je passe le balai! Regardez-moi ces belles bananes! Elles sont magnifiques! Cette vidéo a été faite par un de mes Québécois préférés, Johnny Crying, dont je vous ai déjà parlé dans mon épisode sur le Québec. Je détruis ton vagin avec un berlingot de lait. Les joies des substances illégales. Les joies. Accompagnées de peine, bien souvent. Je me souviens de la fois où j'ai... Mais penchons-nous un peu sur une phrase que je trouve plutôt intéressante, voire même... limite inquiétante. Cette quenouille vient d'un monde extérieur. Planète G, planète C, je ne le sais pas. Cette quenouille vient d'un monde extérieur. Ça pourrait faire un scénario pour un bon film de science-fiction. Un bon film de merde, bien évidemment. On t'a jamais dit que tu ressemblais à un cheval, Johnson ? Non. Tu trouves vraiment, Johnson ? Ouais, je trouve, ouais. Ah bon ? Tu trouves vraiment, Johnson ? Moi, je trouve pas qu'il ressemble à un cheval. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais tu étais là depuis le début ? Oui, depuis le début. Mais tu fais jamais attention à moi. Ouais, c'est bien vrai, ouais. Oh mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des quenouilles venues de l'espace. Quenouilles, le retour. Sorti le 11 septembre. Je trouve quand même qu'il demande beaucoup de fois si on a vu les belles quenouilles. Ça en devient carrément gênant au bout d'un moment. Est-ce que tu as vu ces belles quenouilles ? Ouais, je les ai vues, hein. Mais est-ce que tu as vu ces belles quenouilles ? Ouais, je les ai vues, je viens de te dire que je les ai vues. Mais est-ce que tu as vu ces belles quenouilles ? Mais qu'est-ce que t'essayes d'accomplir, là ? Est-ce que tu as vu ces belles quenouilles ? Comment ça se fait que t'es en t-shirt, maintenant ? Quel t-shirt ? Puis un moment, juste après la phrase des quenouilles venues de l'espace, il dit autre chose d'absolument incroyable. Ces quenouilles importées d'Italie qui font face à l'Afrique du Sud ! Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Et franchement, entre nous, ça ressemble à une bite. Merci, professeur Pédoncule. Tout ça pour que finalement on lise dans la description. Voici un petit vidéo sur les quenouilles du Japon. Mais faudrait savoir, bordel de merde.